Parfaitement alignés sur le pas de tir, chaussés de leurs lunettes de protection, quelques fines gâchettes s'affrontent avec plus ou moins de réussite. Tu vises la cible et après tu tires. Tu tires ? Ouais. Non, j'ai raté. Les billes de métal fusent. Les cibles, placées à une dizaine de mètres, résonnent sous les impacts. Quand on arrive à toucher vraiment la cible, c'est satisfaisant, quoi. Ça détend parce que ça nous rappelle l'enfance, forcément. Et puis c'est bien, c'est à la fois calme, mais c'est vrai que quand on tire et qu'on a la cible, franchement, on est hyper content. Les salves se succèdent. Il faut rester concentré, avoir un bon coup d'œil et un peu de technique. Le geste, c'est de tenir la poignée comme ça, l'index ici, le pouce là, comme ça, et d'avoir la visée, on se met de profil et on peut lâcher comme ça. Très rapidement, le petit groupe de passionnés a su convaincre une trentaine d'adhérents pour devenir en quelques mois le plus gros club de France et se tailler une sacrée réputation dans le village. Dès qu'on dit lance-pierre, de suite il y a le sourire qui vient. On surfe sur un capital sympathie basé sur des souvenirs d'enfance, c'est du velours, quoi. C'est vraiment. Et on a tout le village qui nous a suivis. Dans quelques semaines, le 11 novembre, le premier championnat national de tir au lance-pierre à 10 mètres sera organisé à Barjols. Une fierté pour ce village de quelques 3 000 habitants.